Madame, s'il vous plaît. Ah, madame, bonjour. Inspecteur Derrick, bienvenue. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Doucement. Vous vouliez me voir ? J'ai une mauvaise nouvelle à vous apprendre, madame. Le festival Scène de Cirque est complet. Ils ont vendu toutes les places et c'est la première fois que ça arrive, mais il n'y a plus de place à vendre. Madame. J'ai une crise. Il me faut du cirque. Madame, calmez-vous. Il me faut du cirque. Je veux du cirque. Non, arrêtez de crier. On peut trouver une solution. Vous savez, Hans et moi, on a des relations, on peut avoir des invitations. Écoutez-moi, vous pouvez peut-être vous faire désintoxiquer du cirque. Il y a toujours une solution. Du cirque. J'en veux. Écoutez-moi, il m'est arrivé le même problème l'année dernière. J'ai réussi à me soigner. Allez, un peu de positivisme. Youpi la vie. Alors, fais-moi relire ça. Alors, je sous-signais, accepte de me faire soigner pour mon addiction au cirque. Voilà, vous signez en bas, à droite. Un stylo, ici. Voilà, vous avez pris la bonne décision, madame. Suivez ces deux agents, ils vont vous amener à l'hôpital. Au revoir, madame. C'est triste. Tous ces gens accros au cirque. Ouais. Retourne-toi, Hans. Plus j'éteignais, moins j'y voyais. Et dites-moi, patron. Comment ils font pour être accros au cirque? Eh bien, tu vois la fille là-bas? C'est à cause d'elle, c'est Johanna Autran. Il y a même le maire, vous avez vu, sur les gradins? Ouais. T'as vu le gars à côté? C'est la porte ouverte à toutes les fenêtres. Ils ont tous des... des têtes de fous, non? Ouais, ils sont accros. Et ça fait 7 ans que ça dure. Salut, c'est Spike, c'est juste pour vous dire que je n'irai pas au festival cette année, j'aime pas le cirque, je hais les chapiteaux, j'exècre les numéros, je déteste les acrobates, j'aborde le jonglage, je vomis les clowns, les festivals me répugnent. Non, cette année, ne comptez pas sur moi. Salut, c'est Ellie, Ellie Corn. Le jeudi 16 août à 21h, il y a la quincaillerie L'Amoureux sous chapiteau. Je suis très content que Max et Maurice se soient reconvertis en quincailliers, ambulants. Moi-même, j'ai tenu un bazar de décembre 87 à décembre 2011. Alors, je sais ce que c'est que de chercher une bonne vis à bois de 6 ou des clous de tapissier. Alors, allez voir la quincaillerie L'Amoureux, vous y trouverez votre bonheur. Salut, c'est Laurence. Cette année, gros changement du côté du bar. C'est la nouvelle équipe du comité des fêtes. Une bande de jeunes qui ont pris le relais, ils sont dynamiques et pleins d'entrain. Le problème, c'est que c'est tous des alcooliques notoires. Alors il faudra surveiller le stock de très près. Pour le coca et l'orangina, ça risque rien. Salut, c'est Vincent. Cette année, le festival accueille la fanfare Grizzly, un mélange de rock, ska, soul, jazz. Ils vont tenter de battre le record de la précédente fanfare, le Kirikistran, ou quelque chose dans ce style-là. Premier record à battre, boire 22 litres de rosé dès leur arrivée. Second record à battre, jouer de minuit à 6h30 du matin, le dernier soir du festival. Salut, c'est Yvette Fleur. Cette année, le catering des artistes est assuré par la société Sodexo, qui a remporté l'appel d'offres lancé par la mairie de Puget-Théniers.
Non, je déconne, ça sera toujours Katia et Jean-Jacques. Ouf, on a eu chaud. Salut, c'est Laetitia. Bon, cette année, l'équipe du festival a imaginé des toilettes sèches comme un cocon. Alors, laissez-moi vous dire qu'après 3 jours de festival et 4000 spectateurs plus tard, elles vont plutôt être sèches et elles vont plus trop ressembler à un cocon, quoi. Alors moi, j'irai pisser au bar. Hein ? Et toi ? Moi aussi. Voilà. Dans les prés. Salut, c'est Vanessa. Cette année, la ville de Puget-Théniers se plie en 4 pour le confort de vos pieds. Une navette gratuite vous amènera à l'espace Chapiteau. Il suffit de noter le numéro qui s'affiche au bas de votre écran. Bonne traversée ! Faut pas te tirer la gueule, c'est ça la culture, putain!